Eh bien, nous nous retrouvons, épisode 7 de My Colony. Je viens d'atteindre les... Donc on se retrouve quoi, peut-être un quart d'heure après la dernière coupure, après le dernier épisode. Attendez, je replace juste bien mon micro parce que je l'entends craquer. Donc on va donc j'ai 6000 de points de recherche. Donc on va développer le cloning humain. Voilà, donc c'est débloqué. Et maintenant, on va pouvoir construire, certainement à la fin de cet épisode. Oh tiens, on peut créer des poteries. On verra. Peut-être qu'on créera des poteries. Quoi qu'il en soit, tac tac tac, c'est pas là. Voilà. Donc, on a ça, le cloning facility, donc qui est en fait une usine de clonage. Si on arrive à la créer, donc il nous faut 500 de microchips et 6000 d'acier, c'est ce qui nous manque. Si on les a, en fait, on n'aura plus besoin de l'émigration, c'est-à-dire qu'on sera déjà plus réellement dépendant de la Terre. Parce que notre émigration est limitée en fait par le fait qu'on soit lié à la Terre. Voilà, donc si on arrive à développer ça, c'est bon pour nous. C'est très bon pour nous. Parce que c'est la preuve qu'on pourra éventuellement se passer de la Terre. Voilà. Je viens de créer également deux autres. Voilà. Gold synthétiseur. Je pense qu'on est mal niveau emploiement. Ah non, 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 on n'a qu'un seul. Ah. Ouais, ok. On a encore quelques jobs vacants, mais très peu. On n'a qu'un seul non employé, mais il va trouver, hein. C'est pas trop le problème. Donc on a. D'accord, ok. Donc on a 58 étudiants également. Hein. C'est les étudiants également qui sont en attente. Pour trouver un emploi également qui serve un petit peu de tampon. Mais bon. Quoi qu'il en soit, de toute façon, si j'ai besoin, je peux développer. Enfin, je peux à tout moment upgrader ces 5 usines. D'ailleurs, je pourrais le faire maintenant. En fait, voilà, il me faut que 3000 de style, honnêtement. C'est pas ça qui coûte extrêmement cher. Et ça me permettrait bah déjà d'ouvrir plus d'emplois parce que ça demande 6 employés. Et actuellement, voilà, ça me permettrait d'avoir 6 fois 3 18 employés. Ouais, ça me permettrait ici d'ouvrir 18 emplois de plus. J'ai créé au total 8 banques. Sachant qu'en fait, j'avais pas vu, mais en fait, une banque me coûte, je crois, 1000 en argent. En fait, 1000. Comment ils ont appelé ça? Monnaie, voilà. Donc en pognon, quoi. Me demande 1000 à créer. Donc en fait, c'est de l'investissement. Voilà, 1500 même, 1500. Donc ça me demande. Donc en fait, c'est de l'investissement à long terme. Les banques, c'est de l'investissement à long terme. C'est pour ça que je voyais mon argent descendre et je me disais merde, les impôts commencent vraiment à monter. Mais en fait, non, c'est juste ça. J'ai détruit encore quelques hydroponiques pour donc construire des fermes de patates. J'ai créé. Alors. Voilà, j'ai créé sur la carte plusieurs de ces des raux, des dépôts, voilà, des dépôts de ressources. J'ai une dizaine de aluminium miners qui sont donc un petit peu dispersés autour de ces trucs-là, donc ils passent de l'un à l'autre. Elles ont vidé déjà beaucoup de mines qui sont disponibles en fait sur ma carte. Donc ça, c'est une ressource que j'ai pour le moment en limité, c'est-à-dire que là je peux pas vraiment me permettre de gaspiller cette ressource. Parce que voilà quoi, c'est pour le moment je peux pas en synthétiser et j'ai pas vu je pense pas qu'on puisse en créer des mines. Si je cherche à où est-ce qu'ils sont là? Ils ont déjà tout vidé? Non, non, ils sont là.
Ils sont là. Non, je peux pas créer. Donc je peux pas créer de mine d'aluminium. D'accord, et puis les 10 apparemment. J'en ai 4 là, j'en ai 6 là. Ouais, donc les 10 sont là. Voilà. Alors pour le moment, je laisse les raos comme ça parce que ben, mes harvesteurs de forêt s'en servent. Donc voilà, je laisse mes. Voilà, je laisse mes forest miners là, les forest rovers là s'occuper du bois. Donc voilà, c'est pour ça que pour le moment, je laisse les dépôts de ressources comme ça. Et à terme, de toute façon, je créerai des fermes à arbres. Ça, de toute façon, c'est prévu. Peut-être qu'on va s'orienter également un peu plus vers le charbon, peut-être. J'ai envie de découvrir un petit peu ce que le charbon a à nous offrir. En soi, je pourrais faire la recherche maintenant. On va la faire. On va la faire, ça ne me coûte rien de la faire pour le moment. Là, le prochain objectif, c'est de remonter à 5000 de points de recherche pour développer le commerce galactique, ce qui va nous permettre d'importer à peu près n'importe quelle ressource. En échange de pognon, bien sûr. Ouais, donc voilà. Donc on a. Ok, donc on nous dit que ça c'est mieux que les charcoal huts. Donc de toute façon je vais détruire les charcoal huts, hein. Elles me sont pas réellement utiles. Donc on va définir un endroit où on va pouvoir faire éventuellement du charbon. Et éventuellement je propose c'est qu'on le fasse, voilà, qu'on fasse ces ressources ici. On va faire quelque chose, c'est on va créer un. Hop. Un dépôt ici. Confirme. Et on va aller chercher. Voilà. Donc toi. Donc là, je les ai tous sélectionnés. Donc j'ai mes 15 harvest machin là. On va juste attendre que ce truc soit construit. Normalement, j'ai un robot disponible pour le construire. Faut juste qu'il arrive. Donc, on va juste attendre ça une minute. Voilà. Donc, ils sont là. Et donc, on va envoyer. D'accord, ok. Ils se sont limite TP. Et donc, on va déforester cette partie-là. De façon à avoir la zone qu'il nous faut. Ok, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu. Voilà, je veux les. Hop. Et donc. C'est un bug d'affichage ou. Ah non, je suis plein en. Ok, je suis plein en bois. Donc, on va faire donc des Zardenest Pavement et on va. Mince. Parce que je voulais. Attendez. Hop. C'est parce que. Voilà, c'est parce que je suis pas bien aligné. Ok. Donc, confirme. On va faire ça. Comme ça. On va attendre que ce soit construit. En attendant, on va laisser les... Y a pas un tout seul par hasard. Toi, t'es tout seul. Est-ce que vous pouvez aller chercher celui-là?
Non, ils sont tous allés rechercher au plus proche après. Bon. Je rapproche pour que ça aille encore un peu plus vite, hein, parce que quand c'est vraiment au collé, en fait, ça va très très vite. J'ai l'impression qu'ils foutent rien, ou alors c'est un bug d'affichage. Est-ce qu'ils sont trop nombreux? J'en sais rien. Bah écoutez, ceux-là je vais les détruire. C'est pas grave, c'est juste deux brins de forêt. C'est histoire que j'ai un peu de place. Voilà. C'est juste qu'il me faut un peu de place. Alors, comment on va construire ça? Ok. Alors, je propose. C'est déjà, on va faire nos tri farms. On va faire nos tri farms. Ah, d'accord, ok, c'est si gros que ça. Qu'est-ce que ça me coûte? Donc, du bois de. Ouais, en fait, ça me coûte quasiment que dalle de les faire, en tout cas. Donc, on va faire dire une, deux. J'aurais bien aimé en créer une troisième là. Bon. D'accord, ils sont tous partis créer la ferme. Donc j'aimerais en construire 5. Comme je construis toujours pas 5, par 5, hein, comme ça c'est réglé. Et donc. Ok, donc ça me demande 3 employés, ça me produit des arbres. Mais ça augmente également ma capacité de stockage. Ce qui fait que j'ai tout le monde qui va pouvoir aller retourner harvester la forêt sans problème. Ouais, donc ok. Bon, donc là, ils vont continuer à me déforester un petit peu la forêt. On va les envoyer créer un dépôt. Juste ici. Comme ça, voilà. Ils sont en train de me déforester cette partie-là. Ça va aller très vite. Je regarde un petit peu également autour hein, pour le cloning. Voilà, il me manque 300 microchips. Ok. Viens là, viens là. Ouais, ok. Donc, c'est juste que. Voilà. J'en ai quelques-uns qui sont partis un petit peu à. Tiens, tu vas venir là. Voilà. On va tous les sélectionner, les 15. Et vous venez me dégager ça. Voilà, ça va aller très vite hein, pour déforester. En même temps, comme ça, je récupère le bois quand même, mine de rien. Ça m'évite en fait de faire du gaspillage, hein, tout simplement. Hop. Comme ça, je vais pouvoir construire les fermes qu'il me manque. C'est juste, c'est vraiment histoire de que j'ai la place nécessaire. Bon, voilà.
Donc ça va me permettre de construire une deuxième ferme. D'accord, ok. Donc là, j'ai le dépôt de matériel. Non, non, ça rentre. Voilà. Et est-ce que j'ai la place pour une quatrième? J'ai pas la place pour une quatrième. Faut que je rabatte un petit peu le. Bon, allez, confirmé. Faut que je rabatte un petit peu ça. Donc, on va remblayer un petit peu la rivière. Excusez-moi, je remets bien. Hop. Voilà. Ok. Et donc ça, je peux le supprimer. Et y mettre cette ferme. Ok, comme ça j'ai mes 5 fermes. Et je peux remettre une petite route. Un pavement. Hop. Ok, ensuite, pour le charbon, on a. Attendez, est-ce que je peux tout simplement dire tout ce qui concerne le charbon? Non, j'ai rien pour spécifiquement au charbon, c'est pas grave. Donc, c'est là. Donc, normalement, ça, c'est censé remplacer les huttes de charbon. Et ensuite, j'ai les charcoal compactors qui me permettent d'obtenir une autre ressource, mais j'ai pas bien compris ce que c'était. Ah non, ok, d'accord, ça me permet de construire. Ah, d'accord, ok, ça me permet de, con de. Après, de convertir le charbon en minerai. Donc. Pour le moment, on va en faire 10. On va voir ce que ça donne de faire 10 charcoal factory. Et donc, une fois que ça s'est construit, qui est-ce qui est chargé de construire ça? C'est visiblement pas eux. Enfin, semble pas. C'est pas eux. Qui est chargé de construire ça? Alors attendez. J'ai les eux là. Venez là. C'est pas à vous de construire ça? Bah si, c'est à vous de construire ça. Bah qu'est-ce que vous foutez? Parfois ils se bloquent dans les bâtiments, c'est un peu con, mais bon. Et vous, vous pouvez pas construire ça? Non, d'accord. Donc eux, par contre, ne peuvent pas construire. Alors normalement, qui peut le plus peut le moins, hein, mais. Ah si, si, ils le font. Ah non, 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 ce sont les builders simples qui le construisent. Ok, très bien. Ben, ok. Bon, maintenant que ça c'est fait, donc on est d'accord, hein, ça produit. Alors, ça consomme du bois et ça produit du charbon, hein. On est d'accord. Donc c'est ça. Donc ça remplace mes huttes. Donc les huttes, ici, je peux les supprimer.
D'accord, oui. Ça, je peux pas les détruire comme ça. Faut que. Ok. J'arrive en limite de population. On va juste reconstruire. Est-ce que je peux construire mon. Qu'est-ce qu'il manque? Ok, il me manque quelques trucs. Je vais quand même devoir construire mon complexe habita mes complexes d'habitation. Ok, je confirme. Ok, j'ai pas vu, c'est emploi du monde, ça, c'est emploi du monde. Ok, j'en suis où niveau. Niveau emploi. J'ai des postes vacants. J'ai 100 étudiants. Hein. Je sais pas l'université, est-ce que je l'ai. J'ai pas développé débloqué l'université. Hein. Non, j'ai que l'école élémentaire et le high school, donc le primaire et le collège. J'ai pas encore l'université. Bon. Après, j'ai le tourisme colonial également. Bon, ok, donc pour le moment on n'est pas trop trop mal. À ce niveau-là, ça va. Hop, oups, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais. Est-ce que j'en construis plus? Je pense pas. Pour le moment, c'est bon, je gère à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire de plus avec le charbon? J'ai les charcoal pile, donc ça c'est pour stocker plus de charbon, mais honnêtement, voilà, vu déjà la quantité de base, quoi, je veux dire, c'est bon quoi. J'aurais jamais besoin d'autant de charbon. Après, donc, il y a le charcoal compacteur. Donc ça, pareil, c'est du 1x1. Alors, pour le moment, on va essayer d'en construire que 5. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, et donc. D'accord, ça produit 23 charbons par minute, mais ça me consomme 23 de charbon à la minute. Et ça me produit donc. Ouais. Écoutez, on va construire ce qu'il faut pour, mais honnêtement, je pense qu'on va désactiver. Parce que, en plus, ça emploie personne, donc c'est pas très très utile. Mais si on a une grosse pénurie, en fait, de minerais, on va activer ça. On activera ça, et puis c'est bon, quoi. Attendez une minute. Non, oui, c'est ça, c'est du charcoal que ça me consomme. Ok, par contre, j'ai le bois qui peine à arriver, là, résultat. J'en produis combien à la minute? D'accord, j'en produis que 7 par minute sur ces trucs-là. Ah, il m'en faut plus. Alors, soit il m'en faut plus de ça, soit j'en désactive de. Bon. Écoutez, quoi qu'il en soit, ça pour le moment, ça m'emploie personne. Et en soi, le minerai n'est pas un problème. Donc. Attendez, j'ai pas vu un truc. D'accord, oui, l'autre c'était pour delete all. Voilà. Donc pour le moment, je désactive ces trucs-là.
Parce que ça m'est pas forcément utile. On va se faire une réserve de charbon et si jamais on a un problème de minerai, on sait qu'on peut activer ça. En parlant de minerai, de toute façon. C'est pas vrai. Ça c'est chiant un petit peu ça. Hop, allez, bougez un peu. Voilà. Voilà, pour tous vous sélectionner. Hop. Donc pour le moment j'utilise toujours cette méthode hein, pour me générer du charbon et de l'or en illimité. Ok. Ok. Bon, bah, le charbon, au moins, on aura fait un petit peu le tour. J'ai rien vu d'autre hein, pour le charbon. Et on sait un petit peu à quoi s'attendre, quoi. Ça permet de créer davantage de or, de minerai en cas de besoin. C'est bête que ça produise pas plus quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, il y a toujours moyen de replanter des forêts, tout ça, tout ça. Ah, ça y est, mais donc, moi, j'ai exploité tout l'aluminium de ma planète. Et ça m'arrange pas. Alors, l'alu. Justement, de l'alu, il m'en fallait pas pour. Non, il m'en fallait pas pour le cloning facility. Alors, ça, par contre, je sais pas vraiment où on va le construire, hein, mais on va certainement supprimer des langues d'Inpad et le mettre au niveau après des langues d'Inpad. On verra bien où le mettre. Il fait 2 x 5. On verra bien où est-ce qu'on le met. Eux, ils sont en mode harvest? Ouais, ils sont en mode harvest. En mode récolte. D'accord, ils sont tous partis là-bas. Est-ce qu'on partirait pas sur l'uranium, tant qu'on y est? De toute façon, je sens que ça va pas être pour aujourd'hui le. Après, il y a le col. Ah oui, non, c'est 1500 qu'il faut pour le nucléaire. Bon, ça peut encore nous débloquer des choses, hein. Sinon, il y a le diamant. Je sais pas du tout ce que c'est le diamant, hein. Pareil, c'est une nouvelle ressource. Je ne sais pas du tout. Écoutez, je pense qu'on va explorer ça, hein. Aujourd'hui, ça va être exploration de ce que nous offre le jeu. Wow, ok. Oh, il en faut des ressources là. Oh, yo, 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 yo.
D'accord, ça utilise du charbon. Logique. Bah oui, ok, d'accord, c'est du carbone. Bah oui, le diamant et le charbon, c'est tous les deux du carbone. Donc, d'accord, donc on utilise le charbon pour créer du diamant synthétique. Et c'est marqué que il ressemble à des vrais, elle ne sera pas capable de voir la différence. Ça c'est pour les voilà pour les femmes. Ah, par contre ça me consomme de l'aluminium. Vous voyez 1500 d'aluminium. Donc pour le moment c'est limité. Donc pour le moment c'est non. Pour le moment c'est non. Mais au moins on sait un peu à quoi s'attendre. L'aluminium raffinerie. Question con. Mais l'aluminium raffinerie. Me produirait pas par hasard non. Hein, Non, elle sert juste de stockage pour l'aluminium, mais il est pas capable d'en créer. Bon. Bah voilà, hein. C'est. Après, il y a les poteries. Poterie, ça me consomme de l'aluminium. Donc pour le moment, c'est non. Donc je peux pas produire de l'aluminium moi-même, c'est non. Je sais même pas si c'est possible de synthétiser de l'aluminium. Bon. On se lance dans le. On va se lancer dans le pétrole. Hop. Alors, dans le pétrole, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux. Non. Donc c'est pareil, on va devoir regarder dans la totalité du truc. Là. Donc on a tank oil. On a que ça? On a visiblement que ça. D'accord, donc on a les réservoirs de. Donc ça sert juste à. D'accord. Donc ça sert juste. Ok. Où est-ce qu'on peut les stocker? On va les stocker. Allez. Ça coûte que 1 sur 1. On va faire ça comme ça. Confirme. On va remettre un bout de route. Et je suppose. D'accord, donc. Oh, vous êtes bloqué, bande de. Il s'était bloqué tout seul, cette bande d'idiots.
Voilà. Donc ok, et je suppose que maintenant, dans les bâtiments que, dans les véhicules que je peux créer, non. D'accord. Donc c'est pas là. Je vais. Alors, ici, est-ce que je peux construire? D'accord. Ok, ça a l'air d'être ça. Ouais, donc ce sont les crues de bottes. Ok. Un, quatre, cinq. On va en créer que cinq. Je pense que ça suffira. Puis ils vont faire des allers-retours jusqu'au tank, hein. J'ai pas mis des tanks partout, mais voilà, j'ai créé un dépôt de tank et puis. Hop, allez, ils vont harvest tout seul. Et puis ils vont me ramener du pétrole. Je sais pas à quoi ça peut me servir, mais ils vont ramener du pétrole. Et si ça sert à rien, ce sera vendu. Et puis c'est tout. Bon. Suivant. Il me reste quoi? Il me reste 1100 points de recherche. Ah, d'accord. Ça nous a quand même débloqué des choses, tout ça. Ça nous a quand même débloqué des choses. Donc on a le. D'accord, donc on aura l'avancée de chimicole. Donc l'avancée de chimicole, ça nous fait. D'accord, on peut après synthétiser du pétrole. Donc ok. Un centre de recyclage. Et les choses qu'on peut débloquer après. Donc il y a les trucs de jouets. On pourra. D'accord, tout ce qui est plastique. Bah oui, évidemment, avec le oil, on peut faire du plastique. Donc en fait, après, d'accord, ça nous débloque un peu tout ce qui est plastique. Donc pour les jouets que l'on peut revendre. D'accord. Avancé Medical Research Center. D'accord, donc on a un truc apparemment qui développe la santé et la recherche de de notre colonie. Bah pas mal. Honnêtement, ouais. Donc ça peut être intéressant, mais on découvre au fur et à mesure. Donc on va plutôt s'orienter vers le tourisme colonial. Et là par contre, on a notre. Voilà, on a ce qu'il faut. Donc on a le spaceport. D'accord. Donc, c'est par là qu'arrivent nos. D'accord, ok. Donc. Ça, je propose, c'est qu'on fasse un petit coin ici. Ça a l'air sympa ici. Et donc on va refaire la même. On va se mettre le petit spaceport ici, accompagné par une route, et on va mettre des motels. Ça va être un tout petit coin sympa ici. Et donc ici, je vais déboiser un petit peu. On va faire ça comme ça. Donc all building, hop. On va faire un dépôt ici,
un dépôt ici et un petit dépôt ici. Et on va aller chercher nos voilà. Hop, j'ai mes 15 unités. Et on va tous les ramener ici. Bon, bah, ils se TP un petit peu, hein, mais... D'accord, ok. Ils se sont TP tellement vite que leur position a bugué dans le jeu, quoi. Donc voilà, ça déblaye. Allez, hop. Donc on va supprimer ça et ça. Voilà. Bien, donc on va avoir nos pavements. Donc on va, c'est là. On va partir comme ça. On va partir comme ça. Non, on va pas, on va pas, on va pas partir comme ça. Voilà. Hop. Voilà, on va déjà faire ça comme ça. Donc, je sais que il y aura une ligne comme ça, une ligne comme ça. Et en fait, ce que j'ai l'intention de faire, attendez, je vais juste vérifier si le tourisme, on a vraiment tout au même endroit. Donc, on a le motel, le spaceport. Ouais, donc on a vraiment que ces deux bâtiments-là. Bon, l'idée, c'est de se créer quelques motels. Comme ça au bord de mer en fait. Enfin au bord de... Je sais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous en fait 5 là. Ping. Ça nous en fait 5 comme ça. Et puis... On va dire 5 comme ça. Donc là on en a 1. Attendez. 1, 2, 3, 4. Normalement là ça fait 5. C'est pas compliqué. Il y avait 1, 2, 3, 4. Non, il en manque. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Ok, donc on confirme la construction comme ceci. Eux, ils vont me faire un truc, c'est qu'ils vont me faire un row machin la plus proche. Ok, donc ça va me faire voilà de l'emploiement, tout ça. Et en fait, le spaceport, et eh ben le spaceport, je peux carrément le mettre peut-être comme ça. On va essayer de le centrer. Sauf qu'il peut pas être centré là. Parce que il fait 3 sur 3. Donc comment je pourrais le centrer? Parce que là j'ai vraiment une...
Ouais, on va plutôt faire comme ça. Ça, je vais le supprimer. On va les organiser autrement. Donc là, j'en ai 4, 5. Et je vais en refaire un ici. Apparemment, ouais. Ok. Alors, hop. Il va juste m'en manquer un là. Et le spaceport. On le fait là comme ça? Ah non, il est pas encore bien centré, fait chier. Tant pis. Attends, j'ai 5. Ouais, mais ce qui fait que j'ai 10. Ouais, donc c'est pas possible de centrer de toute façon. Tant pis, on va le mettre comme ça. Et maintenant, je peux mettre. Alors, je peux même carrément faire. Ah, d'accord, je peux pas. Ouais, c'est pas grave. On va mettre donc les pavements comme ceci en intérieur. Relié à la route. Je vais doubler ici, c'est pas grave. Et ici, on peut bien trouver un petit truc à mettre. Un petit truc sympa. On peut peut-être remettre. Voilà, regardez. Hop. On va faire un petit coin. Ouais, logique. Donc on va mettre 4 statues comme ça. Ah oui, non, 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 annule. Hop, hop, hop. Voilà. D'accord, ok. Donc apparemment, voilà, faut. Oui, c'est parce que j'ai pas fait attention que c'était du premium. Donc évidemment, il m'a ouvert la fenêtre pour que j'aille acheter, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas trop ce qu'on peut mettre au milieu. Green Dome, non, pas le Green Dome quand même. Mais un truc cool. Non, on a rien pour décorer, quelque chose de sympa, je sais pas. Mettre de la forêt hein, histoire de faire joli. Le problème c'est que ça risque d'être rasé par les investisseurs, donc c'est mort. Non, c'est moche ça. Je voulais faire un petit coin sympa comme ça au moins, voilà, ça me fait on peut mettre 2-3 trucs fonctionnels. Hein. Oh la Medical Clinic, je l'ai pas créé. Faut que je crée ça. Bref, on peut envisager aussi, vraiment pour du RP, hein, faire un petit peu de RP. Bah mettre derrière là, une petite clinique médicale, évidemment. Et un petit relais internet. Comme ça, les voilà, ils peuvent. Ils peuvent appeler, ils peuvent. Donc. Ouais, après on peut. Voilà, on peut faire ça. Ça coûte juste 2 d'énergie, c'est pas grand-chose.
Et après, le problème, bah, c'est que voilà, j'ai pas de. J'ai rien en décoration pour rendre le truc un peu plus joli. Parce qu'en soi, ça fait juste un peu de terre derrière, quoi. On a les motels au bord de l'eau, et puis voilà, quoi, le petit truc sympa. Bon, voilà, quoi. Voilà, on a notre petit coin touristique. Plutôt sympa, voilà. Un petit truc un petit peu RP quoi, avec voilà le centre d'aide au cas où, oui, au cas où, voilà. Un touriste serait malade, ce genre de choses, voilà. Un petit supermarché pour qu'ils puissent faire leurs courses, allez. Hop. Si on veut. Si, il y a la fontaine, elle rentre. Allez, j'ai pas vu ce qu'elle. Ouais, allez, petite fontaine au calme. Puis voilà, on a notre petit coin touristique, tout sympa. Ouais, c'est sympa, j'aime bien, j'aime bien. On va juste s'y rajouter encore un petit peu de. Hop. Bah écoutez, vous savez quoi? J'ai même envie de faire encore un peu mieux. On va devenir. Ces quatre coins-là. Et ici, on va y mettre. Ah, je l'ai mal. D'accord, je l'ai pas détruit celle-là. Hop, je confirme. J'ai oublié là, je voulais détruire. Voilà, voilà, cette partie-là. Et donc là, je mets. Ok. Ah zut, je fais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai filtré ou. Alors, attends, toi, va-t'en. Voilà, c'est ça que je veux. Va-t'en. Parce qu'apparemment, vu qu'il est dessus, il veut pas le. Voilà, vous voulez pas le détruire. Voilà, résultat pavement lit. Voilà. Confirmé. Voilà, histoire qu'il y ait un petit peu de lumière. Histoire qu'il y ait un petit peu de lumière, voilà, aux intersections, enfin, voilà. Donc, non, ça fait classe. Ça fait classe. Voilà, ça c'est en train d'être construit. Où j'en suis pour mon. Il est où? Il est là. Ah, il me manque encore 270 microchips. Ah ah. Et ça fait 1 heure que. Enfin, bientôt 1 heure qu'on tourne. Donc, au moins, on aura. Voilà, on aura fait 2-3 découvertes sur le jeu. Honnêtement, moi, je suis plutôt content de ce qu'on a fait aujourd'hui. Raté. Ok. Et bien sur ce, je vous dis à l'épisode suivant.